Voilà, c'est parti. Et c'est parti. Direction le bivouac de l'Aiguillette. À droite. Ah voilà, on voit le petit bivouac là-bas, sur la petite pointe. Là, on est juste sous le bivouac. C'est tracé jusqu'au bivouac, effectivement. Juste sous le bivouac, 30 mètres dessous.
vue est géniale. Attendez, bougez pas. Bravo Bastien. Petit sommet au-dessus du bivouac, c'est assez joli. Et là nous avons Bastien qui va entamer une descente périlleuse. Non. Ouais, t'es pas obligé de me filmer en même temps. Là, c'est ça le dit en fait. Pourquoi je vais pas te filmer? C'est le premier pas. Comment je sais? Et bien voilà, retour au bivouac pour une petite soirée sympa sous un chouette paysage. Il n'y aura pas assez de bouffe. Ça fume de partout. Bon appétit, jeunes gens. L'objectif est là-bas. Peut-être qu'on fera que le petit blanc de chêne, ça peut être bien. Alors on quitte le refuge. Voilà, sous le col du petit mont Colomb, il reste juste la petite rampe finale. Voilà le col du petit mont Colomb, le temps se bâche.
Et ben voilà, on est au bivouac des Bouquetins. Tout au fond, la pointe d'Oran, où on était tout à l'heure. Avec ma femme. Un mois à Barbade, on va apprendre à marcher avec ma femme. Il y a la grotte de glace. Mince, il va pas du bon côté. Elle est là. Et ben voilà, c'est l'entrée de la grotte de glace. Alors Bastien, heureux? Très heureux, mais je pensais qu'on allait à la tête de Valpelline. Ouais, mais on a fait la grotte de glace d'Arola, ça allait beau? Elle est belle, ouais.